Bonjour et bienvenue sur CFWeb.tv. Nous revoilà de nouveau sur la plage de Trouville-sur-Mer à l'occasion du 5e festival du Cerf-Volant. Fort de son succès des années précédentes, Jean-François Laurent et son équipe de l'association Ciel de Rêve investissent de nouveau la plage de Trouville pour cette nouvelle édition 2010. Toujours plus beau, toujours plus grand et magique, vous découvrirez le monde des cerfs-volants. En effet, plusieurs grandes équipes de cerfs-volistes vous laisseront découvrir la magie du vol en équipe. Vous découvrirez les cerfs-volants gonflables géants avec leurs formes originales et surdimensionnées. Les enfants pourront décorer leur propre cerf-volant et participer au concours de la plus belle réalisation. Des lâchers de bonbons largués à l'aide de cerfs-volants enchanteront les plus petits. Il vous sera possible d'observer le maniement des chars à cerfs-volants, autre discipline qui vaut vraiment le détour. C'est donc sous un ciel normand et sur la plage de Trouville-sur-Mer que nous vous proposons de découvrir ce 5e festival du cerf-volant. Il est dit que le cerf-volant est un pont entre le ciel et la terre. Alors nous allons tous voyager tout au long de ce week-end avec l'aide du cerf-volant. Bon vent au festival et merci à tous. Je voulais remercier Ciel de Rêve d'être revenu pour la 5e fois et remercier l'ensemble des sponsors. Donc je souhaite bon vent à tous. Voilà, tout est dit. Un grand merci à la ville de Trouville et longue vie à ce festival. C'est Froggy. Froggy ? Froggy. Qui a une grosse ressemblance avec Crazy Frog. Grosse ressemblance, mais c'est que fortuit. 15 mètres de long, 5 mètres de diamètre, 300 mètres de carré de toile de spi, 5 km de couture. Là, rien que la tête, là, c'est-à-dire que la tête elle va jusque-là, ça fait 150 mètres cubes d'air. Voilà. Je vais pas dire que c'est du normand parce qu'il y en a d'autres gros comme ça, mais bon, celui-là, c'est déjà une grosse dimension. Quel est ce cerf-volant bizarre ? C'est ça, voilà, bizarre. Pourquoi bizarre ? C'est une invention d'André Cassagne. Enfin, pas vraiment une invention, parce que c'est en fait, il a repris à la base un cerf-volant de Graham Bell. André Cassagne a repris le concept, mais lui a fait une structure en triangle et non pas une structure avec deux anneaux pleins. Il a fait fabriquer les connecteurs qui permettent d'assembler toutes les baguettes. C'est ça qui était un peu révolutionnaire. Ça prend bien le vent, il faut un vent quand même un petit vent assez soutenu quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de poids, la structure est assez lourde. Si le vent monte un petit peu aujourd'hui, ça devrait décoller. Ça devrait bien voler normalement. C'est quoi que vous pilotez là ? C'est une NASA. C'est une NASA Wing. C'est des voiles de traction. Ça c'est la puissance en fait, ils sont conçus pour vraiment choper le vent. C'est pour ça. Tu regardes, il n'y a pas un peu de vent et moi j'arrive à voler avec ma voile. Nous préparons les cerfs-volants pour les enfants. Les enfants comme les parents, bien sûr, parce que nous sommes autant passionnés que les enfants. Ils dessinent leur cerf-volant et... Ça, faut le piloter. On leur demande de les faire voler. C'est plus compliqué. Une petite tombola est effectuée en fonction du dessin réalisé. Les enfants, comme les parents, sont émerveillés par le bonheur des enfants. Nous voici sur une démonstration de combat de rokkaku. Ce sont les enfants du public qui s'essaieront à cette pratique. Le jeu est simple. Rester le plus longtemps en l'air avec son cerf-volant. Il faut tourner autour de l'adversaire et enrouler son fil au sien le plus vite possible afin de faire tomber son cerf-volant. Le dernier en l'air a gagné. Alors Margot, le combat c'était comment ? C'était assez dur et physique, mais j'avais un très bon tuteur. Ah, il fallait faire quoi en fait ? Il fallait encercler les autres en courant autour pour faire un nœud et tirer pour que les autres tombent à terre et le dernier resté en l'air avait gagné. Ça t'a plu ? Oui, c'était très amusant. Ah.
sommes l'équipe éphémère, 4 lignes, nous avons monté il y a 3 ans. Et c'est parti d'une amitié, d'une passion, et puis, puis on a évolué depuis le temps, et puis on fait des festivals. Et on essaie de se produire le plus possible dans les festivals qui sont conviviaux, tels que celui-ci de Trouville par exemple. On se sent bien parce que d'abord c'est notre terrain d'entraînement privilégié, on est parisien, et puis on vient assez souvent, le plus possible, s'entraîner sur ces plages. Et c'est quoi en fait l'intérêt de ce cerf-volant? L'intérêt c'est de pouvoir le stopper, donc on vraiment le fait évoluer dans l'air, dans le ciel, comme on veut. C'est la différence du deux lignes qui avance tout le temps, c'est assez difficile. Après il y a les freestealers qui le déventent pour faire ce qu'on appelle le freestyle, mais qui n'est pas très visuel pour le public, ils ne comprennent pas toujours ce que fait le cerf-volant. L'avantage du 4 lignes c'est que c'est extrêmement visuel. Alors là, oui, nous allons présenter un méga team de cerf-volant pilotable de ligne. C'est-à-dire, c'est un vol simultané à plusieurs équipes. Et on peut arriver de 18, 20 pilotes et voire 30 pilotes suivant la disponibilité des cervolistes. Derrière les gars. On vous attend. Attends, j'en ai pas, les préparer. Voici au terme de ces 2 jours de démonstration de cerf-volant. Et malgré une météo capricieuse, Jean-François Laurent et son équipe aura de nouveau tenu son pari. Colorer le ciel de Trouville-sur-Mer. Nous vous donnons rendez-vous pour la 6e édition du Festival du cerf-volant de Trouville-sur-Mer.